soleil se lève sur la forêt tropicale. Nous sommes au Gabon, sur la côte de l'océan Atlantique, dans les crins d'émeraude que forme le parc national de Loango. Le parc national de Loango abrite l'une des plus grandes populations d'éléphants de forêt d'Afrique centrale. Pandi se repose au sol. La nuit a été pluvieuse. Il a été difficile de dormir correctement pour les chimpanzés. Mais qu'importe la nuit passée, la journée doit commencer. La principale tâche pour le groupe de chimpanzés sera de trouver suffisamment de nourriture pour l'ensemble du groupe. Chaque minute d'une journée compte et peut permettre ou non de passer une journée de plus dans cette forêt luxuriante. Voilà une des lois de la jungle africaine. Chacun à son rythme, mais dans un élan commun, les chimpanzés descendent des arbres, puis vont se rassembler et se déplacer en groupe. Les vocalisations des chimpanzés peuvent porter en forêt à une distance de 700 mètres et 900 mètres pour les basses fréquences des tambourinages. Les chimpanzés les utilisent pour communiquer entre eux sur de longues distances. Les chimpanzés sont des grands singes sociaux, comme l'homme. Ils ont le besoin d'interagir avec les membres de leur communauté. Et pour cela, l'épouillage collectif est un bon moyen de renforcer les liens. Outre se débarrasser d'éventuels parasites, ils renforcent les liens sociaux par un contact physique rapproché. Épouiller l'autre est un moyen de prendre soin d'autrui. Comme chez l'homme, il n'y a pas de trésor plus précieux qu'un enfant. Une mère chimpanzé donnera sa vie, si cela permet de sauver celle de son enfant. Pendant que les adultes se reposent, une jeune femelle fait une découverte qui l'intrigue. Son inexpérience pourrait lui coûter la vie. Il s'agit d'un cobra des forêts noires et blancs. Son venin et sa rapidité d'attaque font de lui un ennemi mortel du chimpanzé. Heureusement pour la jeune femelle, les adultes observent et ont donné l'alerte. Klessia, jeune sœur de Pandi, s'en sortira pour cette fois avec une bonne frayeur. Comme tous les autres chimpanzés, elle devra apprendre de ses erreurs si elle veut un jour pouvoir elle aussi transmettre son savoir aux plus jeunes. Les vocalisations d'alerte du groupe de chimpanzés résonnent dans toute la forêt environnante. Toute cette agitation attire quelques éléphants de forêt plutôt belliqueux. Et également César, Moana et leur mère. L'arrivée de ces individus, séparés des mâles adultes depuis plusieurs semaines, provoque des manifestations des mâles adultes. Agitation et démonstration de force sont normales pour les chimpanzés. Et ce sera finalement Pandi qui viendra calmer les autres mâles en réalisant une très belle démonstration de sa force. Mais ces périodes de forte agitation laissent généralement la place à des périodes de calme et de sérénité. Un potamochère avance en éclaireur vers le groupe de chimpanzés. Les chimpanzés y sont habitués et ne se préoccupent que peu du potamochère. Le groupe complet de potamochères suivra les éclaireurs, puis quittera la zone. Dans le parc national de Loango, la nature se permet les plus belles exceptions. Il s'agit d'un potamochère albinos, seul individu de son espèce à avoir été observé en milieu naturel. Heureusement pour ce groupe de potamochères, les chimpanzés de la communauté des Rékambo ne consomment pas la viande du potamochère. Pendant que le groupe avance, une jeune femelle nommée Guia trouve un trésor de la forêt. Première chose à faire, vérifier que personne ne l'observe. Puis fabriquer une baguette de bois avec une branche fraîche et l'utiliser pour localiser la chambre à miel souterraine. Chengge, un mâle adulte de la communauté, a repéré le manège de Guia et rejoint cette dernière pour profiter du banquet. Ces microscopiques abeilles ne piquent pas, ce qui rend la dégustation de ce miel encore plus savoureuse. Un peu plus loin, le reste du groupe a fait la découverte d'un arbre en pleine fructification. La nourriture est en quantité suffisante pour permettre à tous les individus de s'alimenter au même moment et dans la même zone. Certains s'alimentent dans les arbres et d'autres au sol. Chacun mangera à sa faim. Les chimpanzés sont des primates omnivores, comme l'homme. Leur régime alimentaire se compose d'une grande variété de végétaux, mais également de viande, d'insectes et de miel, ainsi que de différents minéraux. Un mangabé couronné solitaire passe non loin des chimpanzés à la recherche de son alimentation. Repus par leur festin de fruits, les chimpanzés ne chasseront pas le mangabé aujourd'hui. Pandi n'a pas pu s'arrêter de manger. Il est resté derrière pendant que le groupe a repris la marche. Il cherche maintenant à écouter les vocalisations du reste du groupe pour les rejoindre. Un peu plus loin, Pandi a retrouvé une partie du groupe et arrive avec un mets de choix. La tortue terrestre à charnière. Le groupe de chimpanzés a rapidement repéré l'arrivée de Pandi et de sa tortue. Tous les chimpanzés suivent Pandi et vont essayer de profiter de cet apport en protéines. Pandi trouve une place dans un arbre et tout le reste du groupe monte aussitôt à sa rencontre. L'ouverture de la tortue se fait par des percussions violentes de la carapace contre une branche. La viande de tortue est un mets de choix et tous essayent d'obtenir une part du festin. Le partage de viande est une obligation, surtout pour un mâle dominant. Partager les bonnes choses permettra aussi de partager les mauvaises et de recevoir de l'aide en cas de besoin. Les plus téméraires des chimpanzés se permettent d'aller récupérer la viande directement dans la bouche de Pandi. Roxy, une des femelles dominantes, reçoit de Pandi, lorsque celui-ci est rassasié, la carapace de tortue avec les restes de viande encore accrochés. Les chimpanzés de la communauté des Rékambo sont les seuls chimpanzés connus à ce jour à chasser et consommer la viande des reptiles. Le jeu est un comportement social important pour les chimpanzés. Et cela, qu'ils soient enfants ou adultes. Comme chez l'homme, il renforce les liens de confiance entre les individus qui le partagent. Vivre dans ces forêts demande une grande énergie. En fin de journée, la fatigue est visible sur le visage des chimpanzés. Avant le crépuscule, chaque individu construira un nid de branchage en hauteur en utilisant les branches de l'arbre qui l'accueille. Généralement haut dans les arbres, le nid permettra aux chimpanzés qui l'utilisent de dormir à l'abri des prédateurs terrestres. Les mères partageront leur nid avec leurs enfants, et cela parfois jusqu'au 7e anniversaire de l'enfant. Certains, déjà trop fatigués par cette journée écoulée, reprennent des forces en observant les autres construire leur nid de branchage. Les chimpanzés s'endormiront en paix, une nuit de plus, dans leur forêt si précieuse. Le parc national de Loango est un sanctuaire à vie sauvage, où la richesse gabonaise prend encore toute sa démesure, et où l'impact de l'homme, jusqu'à présent, n'a pas encore réussi à enrayer la chanson de Dame Nature.